Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, bon, qu'est-ce que ça veut dire, viens? On dit va. Comment il lui a dit, viens vers où? Viens vers Paro. On ne peut pas venir vers quelqu'un. On peut aller vers quelqu'un. Et le beau, c'est trois lettres. Bet et Aleph. Ça veut dire qu'ici, déjà, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu dois savoir que toute la délivrance du peuple d'Israël est d'en haut. C'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Toujours mon maître, mon Rihaim, disait qu'il y a la délivrance particulière de chacun de nous et il y a la délivrance générale du monde entier. Ce n'est pas seulement le peuple juif qui va être délivré, mais tout le monde entier va avoir la délivrance. Mais pour comprendre la délivrance, il faut accepter qu'il y a des caractères qui vont jouer le jeu de la délivrance. Et ces caractères-là, ils sont, je vais dire un mot que j'aime pas tellement, mais ils sont manipulés par les cieux. C'est pas qu'ils ont un libre arbitre. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache, ani, moi, Akadosh Baruch Hu, ichbadeti et libo. Moi, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Donc Pharaon à la base, c'est possible, c'est très possible même, qu'il n'était pas du tout, il voulait pas du tout garder le peuple d'Israël. Il aurait dit, prends-les et laisse-moi tranquille. Alors pourquoi il n'a pas dit qu'on sorte? Quel est le problème? Et quand il... Non, il n'y a pas de libre arbitre. C'est pour ça qu'il est écrit, Bo, c'est quoi Bo? Bo c'est 3, Aleph c'est 1, Bet c'est 2, ensemble c'est 3. Les trois, quand, toujours quand il y a trois, c'est les trois attributs célestes. Ah, pour le mettre au même niveau peut-être. Les trois attributs célestes. Mais les plus hauts. C'est eux, c'est ce qui est le haut, le Ket et Chokhma Bina. C'est eux qui vont faire naître tout ce que nous on vit. Donc, quand nous on étudie la médecine lumière, on cherche, on veut grimper à l'origine des choses, d'accord? Parce que si j'arrive à trouver l'origine d'un problème, j'enlève une petite épingle du cou d'une période de la nuque de quelqu'un et le foie il a plus mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une paire de nerfs qui vont aller dans le foie. Des fois on ne dort pas bien et on a changé de position, on n'a même pas fait attention parce qu'on était fatigué. Et le cou se déforme un peu. Maintenant on commence à avoir mal à l'épaule. Et après, la main paralysée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent ici un nerf pour que la main s'ouvre, mais l'épaule et le cou, non, il faut tout remettre en place. J'ai un monsieur une fois qui est venu me voir, il avait des douleurs dans le dos insupportables, il travaillait, il devait lever des choses, il ne pouvait pas. Et après, ses genoux ont commencé à être rongés. Je lui ai dit, monsieur, ton problème c'est les pieds, tu dois faire les semelles correctives. Mais dis, quel rapport? Personne n'a dit ça, quel docteur? J'ai dit, oui, on peut te donner des piqûres contre douleur, on peut te piquer le dos, on peut te faire plein de choses. Mais à la fin, le problème, c'est que ton pied n'est pas stable sur terre. Il a été fait les semelles, 2000 shekels, ça coûte une semelle. Et après, il m'a dit, mais ça n'a pas encore passé. Je lui ai dit, tu veux rectifier 30 ans en 2 secondes? Attends, Bo Hachem, maintenant il est venu me voir, il m'a dit, il n'y a plus aucune douleur. C'est quoi ça? C'est chercher l'origine de la douleur. Le symptôme que j'ai maintenant ici, il ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on dit que Pharaon et Moshe Rabbeinu, c'est une âme jumelle. C'est dur à comprendre ça. Pourquoi? Parce que dès que la lumière céleste rentre dans une sphère, elle prend des dimensions. Et quand la lumière céleste n'est pas dans des sphères, elle n'a aucune dimension. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Une personne veut aller en vacances. D'accord? Elle roule avec sa voiture ou bien elle regarde sur internet et elle voit une plage blanche avec les palmiers, avec une petite source qui va dans l'eau. Quel bonheur, d'accord? Et on voit la photo, et des fois ils mettent encore d'autres photos.
Et la personne se dit, moi je vais là-bas. Aucun problème. Est-ce qu'on lui dit le trajet, comment il va être? La brute. Merci. Non. Est-ce qu'on lui dit dans quel avion il va prendre ce billet? 200 $. Une semaine à l'hôtel, avion aller-retour. Qu'est-ce qu'on peut recevoir? Sauf la photo, qu'est-ce qu'on peut recevoir? Rien. Mais les gens, ils se disent, non, c'est moi qui va gagner de l'argent. Comment ils gagnent en 200 $? Moi, j'ai jamais compris. Ça veut dire que le vol, c'est un vol. C'est du vol. Ils te prennent un billet, prix de 1 100 €. Tu dis, non, moi, je vais chercher ailleurs. Ah, combien tu veux payer? 500. D'accord. Où il est parti, 600 €? Ils sont devenus de l'air. Alors, on a la forme de l'imagination. L'imagination représente les trois attributs célestes. Pourquoi? Parce que dans l'imagination, on n'a pas de limite. Quand une personne dit, moi j'aimerais bien être riche, il peut imaginer une chambre pleine d'or. Mais quand ça vient à la réalité, qu'est-ce qui se passe? Ça se diminue, rapetissit, jusqu'à quand qu'à la fin, on peut faire une bracha sur le café. Baruch ata Adonai Elohim Chaim Hakol Yom Tov. Ah, il est bien. Alors on voit que Akadosh Baruch lui a dit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe. Bo, les trois attributs célestes. Elle, toujours quand on dit elle, c'est la première attribut des sept attributs. C'est le Chesed, elle. Chesed, elle, Kolayom. C'est le Chesed. Donc, il lui dit, regarde, Moshe, c'est Hashem. D'accord? Moshe et Hashem, c'est les mêmes lettres. Il lui dit, Vayomer Hashem El Moshe Chesed Gamken. Nachon El Bo El Paro. Encore une fois Chesed. C'est pas qu'il écrit Vayomer Hashem Moshe Bo El Paro. On enlève le mot El. Mais non, il dit le même. Il dit Vayomer Hashem El Moshe Bo El Paro. Ça veut dire qu'ils sont de la même racine. Sinon, on aurait dû changer le langage. Il y a beaucoup de façons de parler en hébreu. Alors, pourquoi le texte de la Torah, Akadosh Baruch Hu a choisi les mêmes mots? C'est un signe pour nous de savoir quoi. Akol Chesed. Ça, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Resh Lamed. Ragil Lomar. Il faut que tu habitues ta bouche de dire que tout va bien. Et comment tout va bien? La preuve que je ne veux pas bien. Non, tout va bien. Pourquoi? Parce que tout vient du bien. Pourquoi on dit Akol Tov? Akol Tov, c'est Chesed. C'est quoi le Chesed? La racine de tout, c'est une lumière sans limite. Parce qu'elle n'est pas entrée dans une sphère qui limite l'espace et le temps. Mais maintenant, dès que la lumière est rentrée dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'avoir des polarités. C'est quoi un espace? J'ai le haut, j'ai le bas. J'ai l'avant, j'ai l'arrière, j'ai à droite, j'ai à gauche. D'accord? X, Y, Z. Ça veut dire que dès que la lumière pénètre une sphère, elle reçoit des dimensions. Maintenant, on peut juger. Mais où on tombe tous? Dans le jugement. Pourquoi on tombe tous dans le jugement? Parce que, Shalom Vora, parce qu'on ne regarde pas l'être humain à la racine lumière, on regarde l'être humain. Après que sa lumière est rentrée dans un espace. Et Moricha et Morav disaient, tu ne parles pas avec l'être humain, tu vas parler avec son âme. Si tu parles avec l'âme de l'être humain, maintenant, l'espace change. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu. Vayomer Hashem El Moshe Bo El Paro. Sache que c'est, vous sortez de la même racine. Et il y a une des preuves qu'on dit que Pharaon, il y avait la sorcellerie. Il était l'homme le plus protégé sur terre. Et ils disent tout le temps que quand Moshe est rentré, c'était sans permission. Hop, il apparaît devant lui. La première fois, il a voulu emmener. Vous connaissez l'histoire avec les lions? Non. Ils avaient. Tout était. Grandiose. Non, tout était ensorcelé. Ah, oui. Alors, ils avaient des lions. Et si quelqu'un n'avait pas la permission de rentrer, le lion, il donnait un coup. Mais c'était en marbre. Il devenait en vrai.
et il donnait un coup, il tuait les gens. Donc personne ne pouvait approcher Pharaon. Et comment Moshe et Aaron, il rentre, il sort, il repasse, il repasse. C'est pour ça que Pharaon, il s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Comment ils dépassent tout? Aucune sorcellerie les atteint? Ça, c'est les gens qui viennent d'où? La racine des indigos, c'est les trois attributs célestes. Les Bnei Yosef, comme toi. Ils sont connectés à l'infini. Donc, ils ont le pouvoir de l'infini. Mais on les juge. Pourquoi tu les juges? Parce que cette lumière de l'infini est obligée d'être habillée dans une sphère. Donc, dans la sphère, j'ai les dimensions et j'ai le temps. Et après, il dit qu'il y a ni irbadeti. Moi, j'ai endurci, j'ai alourdi. Parce qu'il n'a pas dit j'ai ani evanti, mais shon even, non. Il a dit j'ai fait son cœur lourd. Et libo. Son cœur. Veet levavadav. Ça veut dire que maintenant, tous les gens autour de Pharaon n'avaient aucun libre arbitre. S'ils n'avaient pas de libre arbitre, est-ce qu'on peut les punir? Je me suis posé la question, pourquoi les Égyptiens ils ont été punis? Que Pharaon soit puni. Mais les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas aussi... non? Pas tous les Égyptiens étaient punis. Ah. Pas tout le monde. Il y avait une partie punie, il y avait une partie qui n'est pas punie. Mais lui, Pharaon, ce qui est bizarre, c'est que c'était le premier-né. Il n'est pas mort. Quand tous ces soldats ont... sont rentrés dans l'eau, lui, il n'a pas coulé dans l'eau. Ouais. Et après, il est devenu le roi de Ninevé. Ouais. Et quand il est revenu le roi de Ninevé, quand Jonas est parti leur dire, tout de suite, il a dit, faites tchouba à tout le monde. Ouais. Donc, lui, sa volonté, c'était quoi? Bien ou mal? Bien, bien, parce qu'il a reconnu Dieu à la fin. Ouais. Et lui, il a dit, on dit tous les jours dans la prière, Mikhamon Chabaïle, Mikhamon Chabaïle. C'est Pharaon qui l'a dit ça. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux nous expliquer dans ce texte qui veut dire quoi? Sache qu'il y a Moshe qui est la face, Pharaon qui est Oref, c'est la nuque. Lui ici, il n'a aucun sens, donc il est dur comme un mur. Toi, Moshe Rabbeinu, tu as tous les sens en face, donc tu es mou, tu es tendre. Et maintenant, on veut dire qu'il y en a un gentil et un méchant. C'est impossible de dire ça. Ils ne sont pas faits de la même manière. C'est ça? C'est les mêmes. Les deux faces. C'est le même. C'est un homme, une partie face et une partie arrière. Vous avez dit au début que dans tout homme, il y avait deux personnes. Oui. Donc on retrouve peut-être cette polarité. Donc on va se poser une question. Le peuple d'Israël est sorti de la main de qui? De lui-même. Quand nous, on n'est pas en harmonie, les Bnei Yosef, avec les autres, c'est parce que nous, on n'arrive pas à rentrer dans l'harmonie. Eux, ils vivent dans leur sphère. C'est leur cocon, c'est leur vie. Nous, on rentre avec une lumière qui veut à la fois être sans limite, rêver, spectacle, balagan, et à la fois, à quelle heure, où, comment, j'ai mal au ventre, comment je peux faire? J'ai pas choisi d'avoir mal au ventre. Vous savez, des fois... Un homme et une femme, ils travaillent dur et tout. Une fois par mois, ils font un restaurant ensemble. C'est gentil, non? C'est bien. Ils se préparent, ils sont contents, tout va bien. Le matin, il est parti au travail, il a bu quelque chose, dérangé dans le ventre. Vous imaginez un peu? Alors d'où l'homme se dit, moi je suis le maître. Ouais. Sauf qu'il y a une différence entre les qualités de gens. Il y a les gens qui sont indigos, qui vivent tout le temps la présence divine. Ils sont tout le temps éclairés. C'est pour ça qu'on les appelle illuminés. Ils sont tout le temps dans, oui, tout est possible. Ils tombent, hop, ils remontent. Et il y a les autres qui ne peuvent pas être comme ça. Il y a une dame qui est venue me voir aujourd'hui, elle m'a dit, mais Rav, il ne peut pas faire quelque chose lui aussi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Deux voitures, une contre l'autre, comme ça se cogne?
Toi, tu es la voiture. Et lui, il est accroché. Et où tu vas? Il va avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ni il te parle pas bien, ni il te fait du mal, ni il te donne pas de l'argent. Il est gentil. Ah, qu'est-ce que tu veux chez lui? Non, que lui-même parle avec moi. J'ai dit, il peut pas. Il n'a pas le programme, ça marche pas. Ah, pourquoi moi j'ai? Je dis, il faut venir au cours, il faut comprendre l'origine des caractères des âmes. Et plus on va comprendre l'origine, et plus on va être près de la Géoula. Vous savez pourquoi? Parce que la Géoula, la délivrance du monde entier, moi je ne parle pas seulement de nous, c'est plus la conscience est proche, plus la Géoula est là. Je vais vous donner un exemple avec les ordinateurs. Vous savez, il y a un monsieur à Beersheba, il n'avait pas d'argent, le pauvre. Et un jour, il était assis dans un restaurant à Beersheba. Il y a dans le musée de la science à New York, il y a toute cette histoire que je vous raconte. Il était assis comme ça avec quelqu'un. Il a dit, dis-moi, pourquoi on va faire, avant tout ce qui était électronique, était comme ça, gros. Il y avait les résisteurs, tout était comme ça, sur la... Et lui, il a dit, mais pourquoi on va pas faire un résisteur comme ça? Imaginez une pile, d'accord? Et il a dit, il a pris un papier comme ça, il a dit, mais pourquoi on fait pas comme ça, comme ça, comme ça? Il a dessiné, l'autre il a dit, bon toi, on en a marre, illuminé, va travailler un peu, pourquoi tu travailles pas dans la poubelle? Pourquoi tu travailles pas? C'est comme ça, les indigos, ils sont ou dans la poubelle, dans les égouts, ou au sommet du monde. Ils savent pas être. Il est parti en Amérique. Il a rencontré quelqu'un. Il a dit, tu sais le faire? Il a dit, c'est pas un problème, c'est une question de résistance. Pour lui, c'était clair. Mais pour tout le monde, jusqu'à ce jour-là, l'électronique, c'était quelque chose d'épais. Tout d'un coup, c'est devenu des feuilles. C'est l'homme qui a fait la révolution de l'électronique de nos jours. Et tout est devenu flat. Tout est devenu à plat. Jusqu'aujourd'hui, au musée de la science à New York, ils vous montrent le papier du restaurant à Beersheba pour vous dire que tout le monde a changé. Mais ce monsieur, quand il parlait, personne ne comprenait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, Raph, pourquoi on a des batteries comme ça, gros, ça prend de la place? On fait des feuilles de batterie. Et où il est parti? On lui a dit, tu es fou, tu es fou, tu es fou. Quand il est venu me voir, je lui ai dit, tu as raison. Je lui ai dit, mais il y a un problème. Il me dit, quel problème? Je lui ai dit, la technologie aujourd'hui n'arrive pas. Il n'y a pas l'espace encore qui peut te supporter. Mais t'inquiète pas, ça l'espace viendra. Puisque tout avance, d'accord? La même chose on a eu avec Moshe et Paro. Le temps que Moshe est rentré en Égypte, il est rentré avec une grande lumière dans un espace. Et maintenant, pas tout le monde a accepté cette lumière. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y a 80% du peuple qui est mort dans le coup de l'obscurité. Et il y en a qui disent 98% du peuple est mort. Ils ont enterré tous les morts. En 3 jours, ils ont enterré... Pourquoi? Parce que ces gens-là n'étaient pas prêts à la lumière. Vous pensez que tout le monde peut vivre la Géoula? Non. Il y a des gens, on va leur dire, tu sais, pour la Géoula, tu dois quitter ton royaume là, hein. En marbre et en or et en truc, tu dois quitter. Pourquoi? Parce qu'on va tous monter à Jérusalem. Où je vais dormir à Jérusalem? Ben, tu dormiras dans les champs, dans les rues ou dans une petite chambre. Moi? Mais pourquoi? Et religieux, hein, qui pas barbe, tout. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que la délivrance, c'est une conscience. Et il y a des gens, tu lui dis maintenant, tu laisses tout et tu viens, il laisse tout, il s'en fout, il a de l'argent, il n'a pas d'argent, il s'en fout, il va. Hier, j'ai rencontré un monsieur, je vous dis, c'est des tzadikim, il sort de là. Il a fait une association, personne ne sait rien du tout. Et il aide des gens, un vrai aide direct, hein, pas par intermédiaire. Il est venu, il me présente une jeune fille. Je dis, qu'est-ce que tu as avec elle? Il me dit, la pauvre, c'est une juive. Je dis, on lui a fait du mal en France. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec elle, toi? Il dit, j'ai entendu l'histoire. Je leur ai dit, emmenez-la moi. Maintenant, c'est une jeune, oh, difficile.
Il lui fait des soins et des chevaux et des choses et encore, il l'a emmené chez moi. Je l'ai envoyé chez un autre docteur, il faut travailler avec elle, enlever beaucoup de... J'ai dit, mais monsieur, pourquoi tu fais ça? Mais j'ai entendu, voilà, je le fais. Vous comprenez que ce monsieur-là, il n'est pas tellement terre à terre. Qu'est-ce que tu prends maintenant une jeune fille de 15 ans? Il me dit, t'inquiète pas, je vais l'élever, je vais la marier. Je... Il dit rien. C'est beau les hommes comme ça. Magnifique. Il dit rien. Et j'ai compris que monsieur Baruch Hashem est à l'aise. Mais ça, c'est pas important tout ça. Je dis oui, mais ça coûte de l'argent. Il me dit, c'est pas important, pas important. Je dis alors quoi? Il me dit, la pauvre, comment il est tombé dans la main des cousins qui l'ont fait. Que Dieu nous en préserve. Alors on a dans la paracha quoi? Goël. La lumière qui se transforme en matière. Et quand on ne comprend pas ce cheminement de lumière qui devient matière, on n'arrive pas à se comprendre soi-même. Pourquoi? Parce que chez l'être humain aussi, on a les lumières qui nous entourent, et nous sommes comme une antenne, et on capte. Dès que j'ai capté un message, je tourne la tête. Pourquoi tu as tourné la tête comme ça? Parce que j'ai vu quelque chose. Mais pas que chaque fois tu vois, tu tournes la tête. Pourquoi cette fois-ci tu as tourné la tête? Quel est le message? Le message est céleste. Si on commence à s'affiner, on commence à ressentir ce qu'on fait, on ralentit un peu le rythme, et on commence à voir qu'en effet, nous sommes quoi? Nous sommes rien qu'une antenne. Si je suis rien qu'une antenne, et même Pharaon qui était le maître du monde, n'oubliez pas, son cœur, son foie et sa pensée, parce que Ichbad était, c'est Kaved, Kaved c'est le foie, Et, Lev, c'est le cœur, et Bo, c'est quoi? Le cerveau. On a le cerveau, le cœur et le foie. Le foie, c'est les envies bestiales, le cœur, c'est l'esprit, et le cerveau, c'est l'âme. Non. Et ils te disent, je l'ai bloqué. Il ne peut pas, il n'a pas de choix. Est-ce qu'on n'est pas tous comme ça? Est-ce que Moshe Rabbeinu, oui, avait une choix? Malgré que chaque fois, il lui dit, pour que tu comprennes qu'il y a un maître du monde, je vais lui demander et ça va se passer. Mais on sait que abracadabra, on sait que quand on parle, la parole a une force. Alors, qui avait le choix dans cette histoire? Personne. C'est pour ça qu'on peut mettre en parallèle l'histoire de la délivrance d'Égypte avec Bereshit, Maasé Bereshit. Dans le Bereshit, il y a aussi Bet Aleph. D'accord? Bereshit, on écrit Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud, Taf. Donc si j'enlève le Bet et le Aleph, il me reste Reish, Shin, Yud, Taf. C'est quoi? Reshit. C'est quoi le début de tout? C'est les trois sphères supérieures. C'est quoi le début d'une délivrance? C'est la volonté de la sphère supérieure. Maintenant, nous, êtres humains, Rashi écrit que l'être humain est composé d'un corps physique pour être attiré par la matière et une âme spirituelle pour être connecté aux cieux. Quel est notre problème de souffrance? C'est quoi être esclave? C'est que l'âme devient esclave du corps. C'est quoi être libre? C'est que l'homme, l'être, le corps devient quoi? Obéissant. Obéissant à qui? À l'âme. Ça, c'est le secret de la Géoula. Et mon Rav me disait, et c'est écrit aussi dans Zohar Kadosh, il y a Géoula Pratit, Géoula Klalit, la vraie Géoula d'un être, c'est d'être capable de se contrôler. Il n'y a pas de plaisir plus grand sur terre que quand quelqu'un est devant une épreuve et il se contrôle. Quand est-ce qu'il peut se contrôler? Quand l'être est monté à la conscience céleste. Parce que s'il est dans la conscience terrestre, il va réagir. Il va avoir des réflexes. Mais les réflexes ne donnent pas les bons résultats. Comme on a ce petit là maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un réflexe. Il a essayé de se sauver. Sauver sa vie. D'où il sait que les gens sont déguisés?
Ah, après on t'a attrapé, on t'a dit qu'on était déguisé. Maintenant, c'est trop tard. Il a fait ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut le condamner? Ça dépend qui sera l'avocat. Si l'avocat va essayer d'expliquer le réflexe physique, il va être condamné. Et mais si l'avocat, il va parler de l'aspect quoi? Spirituel. Alors le petit va être acquitté. J'ai vu des gens qui sont déguisés en voyous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'ouvre la porte et je leur dise « Faites du mal à moi et à ma femme » Non. Mais ça, c'est l'avocat. Ça, c'est la sagesse des gens. Et sachez que partout sur Terre, quand vous parlez du niveau de l'âme, vous allez être accueilli, aimé et honoré partout. Et quand on est dans le niveau de l'âme, et quand notre corps, les gens voient qu'il est obéissant à l'âme, les gens ont une crainte. Et c'est pour ça qu'il est écrit, les sages disent que la difficulté la plus forte, c'est quoi? Être assis et étudier. Une personne, son corps, il aime bouger. Mais si quelqu'un arrive à s'asseoir, à approfondir, ceux qui sont autour de lui, ils ont crainte de lui. Pourquoi? Parce qu'il leur fait du mal, parce qu'il les frappe, parce qu'il crie. Au contraire, il ne fait rien, il ne parle pas. Alors pourquoi tout le monde a crainte? Parce qu'il est monté aux 3 degrés supérieurs. Et quand on est dans les 3 degrés supérieurs, maintenant, Baruch HaShem, on peut être un homme, mon cher Rabbeinu, avec un frère, Aaron, et délivrer des millions de gens. Vous comprenez un peu ce qui s'est passé? Des millions de gens étaient à l'écoute de 2 personnes. Et des millions de gens ont souffert et sont morts à l'écoute d'une personne. Paro, le pharaon, quand il a dit « je ne les délivre pas », encore une épidémie, encore des millions de gens qui meurent. Non, je ne donne pas. Même la nature, même les arbres, même les animaux, tout a été détruit. Et les sages de Pharaon, à un moment, ils lui disent, est-ce que tu ne vois pas que tout l'Égypte va être détruit? Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, et lève paro, et lève, et libo, et lève avadab. J'ai pas seulement endurci ou alourdi le cœur de Pharaon, mais j'ai aussi alourdi le cœur de quoi? De ses esclaves. Pourquoi? Parce que eux déjà, ils ont dit à Pharaon, laissez partir. Mais maintenant, ils ont dit, non, ils ne vont pas partir. On va les garder. Tout ça, pourquoi? Et ça, c'est la, à mon avis, la chose la plus belle qu'on a quand on étudie la sagesse. Vous savez pourquoi tous les 3 coups là, les derniers? Rien qu'une chose. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Il lui dit... Vous allez voir qu'est-ce qu'il lui dit. Oh! Paro, il appelle Moshe et lui dit... Allez, allez faire ce que vous voulez. Mais il lui dit, mi va mi aolchim. Qui part? Ça veut dire quoi mi va mi? Mi aolchim. Pourquoi on rajoute mi va mi? Qui est qui? Non, qui part et on part. Quand dans la Torah, il y a 2 mots, les mêmes, et il y a au milieu un vav, comme il y a dans Bereshit, beaucoup ça, le vav, c'est... Un voile. On a un voile et le voile sépare les cieux et les infernes. Ce qui est supérieur et inférieur. Mais c'est la même chose. C'est un miroir. Donc maintenant, il lui dit « Mi va mi aolchim ?» Qui est qui part? On passe d'une sphère supérieure à la sphère inférieure. Et regardez la réponse de mon cher Rabbeinu. Ma mère, mon cher Kaka, Benarenu, nos jeunes, Biskenenu, nos vieux, Nilech, et il continue, Bebanenu, Uvevnotenu, nos enfants, nos fils et nos filles, Betsonenu, Uvevkarenu, Nilech. Mazar d'Abaraza. Pourquoi tu me dis deux fois on va partir? Une fois il dit, Benarenu, Biskenenu. Et après, il dit, Beiladenu, Bivnotenu, Betsonenu, Bifkarenu.
Ça veut dire que lui aussi répond comme la question. Mi, le premier mi, c'est qui? C'est Naarenu Uskanenu. Naaraiti gam zakanti, loraiti tzadik nezar. Naaraiti gam zakanti, quand j'étais jeune. À la force de l'âge. Vous savez, très éveillé pour parler de façon propre. Et je suis devenu vieux. C'est quoi vieux? Zaken zekana chokma. Je suis arrivé des sphères inférieures. Je suis connecté aux sphères supérieures. Ça, c'est une partie du peuple. Mi, le premier mi. Et c'est quoi mi? 50. C'est 5 attributs de qui? De la sagesse. Nahon, bina. Et après, Moshé Rabbeinu lui dit, ou, d'accord, bebanenu ou bevnotenu. C'est quoi nos enfants, nos garçons et nos filles? C'est quoi? Vous savez, c'est quoi les enfants? Les enfants, ça s'appelle les actions qu'on fait. Ça, c'est plus dans la conscience spirituelle. Ça, maintenant, c'est dans l'acte physique. C'est la séparation entre la tête et le corps, d'accord? Il dit, Betsonenu bifkarenu nelech. Comme j'ai donné l'importance aux sages, je donne l'importance aux enfants et je donne l'importance à quoi? À la bétail. Mon cher Rabbeinu, tout ton problème c'est la bétail. Pourquoi tu insistes? Ça, c'est le signe que le berger est un berger de vrai. Parce qu'il pouvait dire, Biskanenu nelech. On s'en va avec les sages. Qu'est-ce qu'on a besoin? Des enfants, de la bétail, garde-les. Vous savez, quand on va dans le désert, mettant 40 ans, qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces enfants? Aimer la bétail, donne-leur à manger, donne-leur à boire, nettoie. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? On va juste nos sages. Non. Le vrai berger dit, non. Moi, je vais prendre mes sages, mes enfants et... Mon bétail. Vous savez, c'est qui le bétail? Il est écrit, quand le premier homme est descendu sur terre, il a dit, Mizmor Shirlem Shabbat. Et là-bas, il dit, Ish Ba'ar Lo Yeda, Ursi Lo Yavin et Zod, il faut Arishen que Moïse. Il dit, les méchants, ce sont des ignorants. Et les ignorants, ça s'appelle Ish Ba'ar, Bet Ein Resh. Quand on lit l'araméen, Be'irin, c'est de la bétail. Donc maintenant, quand on va mettre ici le texte du Zohar, qu'est-ce qu'on va lire? On va dire comme ça. Biskanenu, Benarenu Biskanenu, ça c'est les sages, c'est les trois attributs supérieurs. Maintenant, il va parler des attributs inférieurs. Bevanenu Bivnotenu, c'est les actions qu'on fait. Betsonenu, avec les ignorants. Ou Bivkarenu, avec les gens qui sont épais. Vous savez? Les gens qui sont comme ça. Il dit, moi... je veux tous les prendre. Qu'est-ce qu'il lui répond Pharaon? Non. Tu vas partir avec les sages, tu vas me laisser les enfants et la bétail. Le vrai berger, le vrai Yosef, le vrai lumière, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Non. Moi, je suis venu sur terre. Si je n'illumine pas jusqu'au fin fond de l'existence, je n'ai pas fait mon rôle. Et c'est pour ça que la Bina, Mi va Mi, c'est, elle descend Hamishim Share Bina, ça descend jusqu'au 50e. Mais nous, on nous arrête au 49e. Même Tet Share Touma, En Nun. Pourquoi il n'y a pas de Nun? Pourquoi le 50e attribut d'impureté n'existe pas? Parce que avant que nous on existe, déjà les cieux ont mis là-bas leurs pieds, ça s'appelle. Il y a réglé Ayurdot Mavet. Ils se sont imposés là-bas. Là-bas, vous ne pouvez pas tomber. Pourquoi? On est là, on a pris la place. Donc, d'après ce qu'on lit ici, c'est un texte assez simple. On voit qu'il est écrit le secret du livre d'Abraham Avinu, Sefer Yetzirah, qui dit que tout ce qui est lumière est matière. Et toute matière a une origine lumière. Maintenant, la notion d'étude de la Kabbalah et de la Torah change. Pourquoi? Ça n'existe plus des cieux invisibles. Nous, toujours, on nous a dit, les cieux invisibles. Tu n'as aucune permission de t'approcher. Le Sefer Yetzirah dit non.
Si j'étudie et j'approfondis comme il faut, je vais trouver le reflet de toute lumière sur terre. Mon cher Abbé, non. Il répond comme ça à Pharaon. Il lui dit, tu sais, mi va mi, c'est quoi mi? Mi, c'est Bina. Il dit, écoute, il y a la Bina qui va dans les trois attributs supérieurs. Mais comme toi, tu dis mi va mi, moi aussi, je te réponds. Une partie, Neler. Mais aussi l'autre partie, Gam Neler. Neler, c'est venu comme ça pour vous. Ah. Les petites dames du Rav. Vous savez, je reçois des messages. Envoyez le bonjour à votre petite dame. Oui, d'accord. On reçoit sur... qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes les petites dames les plus connues sur Terre. Il dit, Neler, c'est combien en guématria, vous savez? Nun et Raf, c'est 50 et 50. Ron? 100. C'est quoi 100? 10 fois 10. Ça veut dire que mon cher Abbé nous dit, Neler, on va accomplir les 10 attributs. Le Sefer Yetzirah dit, Esser, 10 et non pas 11, 10 et non pas 9. Vous savez pourquoi? 10 c'est comme ça. Regardez bien ce qu'il y a ici. Il y a un rond, une sphère qui a été finie et un début. Personne n'a inventé le chiffre 9, je ne sais pas quoi, œuf, qui est entre le 9 et le 10. Personne. Dans aucune. Aucune personne sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on doit accomplir une sphère pour avancer à une autre. D'accord? Pharaon a accompli une sphère. Il a attrapé le peuple d'Israël, 210 ans, sous sa main. Maintenant, Moshe lui dit, oui, toi tu as fini ton travail. Maintenant, moi je commence un nouveau travail. C'est qui le nouveau travail? 40. Pourquoi 40? Le Zohar Kadosh dit que la lettre même, c'est une sphère fermée. Aron, même Sophie, c'est une sphère fermée. Il dit, 40 ans, on a accompli encore une sphère. On va rentrer en terre d'Israël. 400. C'est quoi 400? Une sphère accomplie fois 10. On va partir 70 ans. C'est quoi 70? 7 attributs inférieurs. On va refaire combien? 420. C'est quoi? 42 fois 10. C'est le nombre de la Bina. On va sortir en 2000 ans d'exil. 2000, c'est combien? 2 fois 1000 et 1000. 2 jours. Donc on voit que tout le déroulement global a été destiné à l'avance. Alors qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? D'accord? Ça devient ennuyant. Alors je suis là. Hein? Je suis là, je ne suis pas là. De toute manière, tout va avancer. Et les gens, qu'on les attrape trop dans des idées globales, ils perdent leur identité. Il faut faire très attention à ça. Il faut comprendre qu'il y aura la délivrance globale, oui, on y croit tous, et on attend tous que ça se passe. Mais jusqu'à qu'il y aura la délivrance globale, nous devons faire la délivrance personnelle. C'est pour ça qu'on doit être bien soi-même, s'épanouir. Mais plus on va s'épanouir, nous, les petits, t'étincelles, et plus vite la grande lumière va apparaître. Mais quand, Chas v'Shalom, on nous met les idées dans la grande lumière, et on vit l'obscurité, la grande lumière ne va pas apparaître. C'est pour ça qu'il lui dit, Bo el Paro, toi tu ne vas pas partir, tu vas venir. Tu vas emmener sur terre la lumière des trois attributs. Et où tu dois les emmener? Tu dois illuminer jusqu'au fin fond de l'humanité. Baruch HaShem, j'ai une belle annonce à vous dire. Que mes enfants de la... Vous savez, mes voyous. Je suis entouré de voyous. C'est mes amoureux. J'ai décidé, il y a quelques semaines, j'ai pris un, comme ça, j'ai eu un vent de fou. Et je leur ai dit, la solution d'arrêter de souffrir dans la rue, et ils souffrent. Les filles, que Dieu nous en préserve, et les garçons. Maltraités, toujours diminués, on parle mal avec eux. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas des êtres humains? Non, c'est de la bétail.
Je le redis, pour changer, on est obligé d'évoluer dans quoi? Dans l'esprit. Alors maintenant, j'ai fait une nouvelle chose. Dans 2 semaines, je crois que ça va être à Jérusalem, ou 3 semaines, on a fait, les enfants de la forêt vont à l'académie. Ah, c'est beau. C'est un projet, oui. C'est un projet qui est difficile. On a beaucoup de Mebaou Hachem. Dieu sait qu'on n'est pas normal, alors tout va bien. Et on va les emmener à l'académie sans faire le bac. En Israël, il y a l'académie sans bac. Et ils vont faire premier degré universitaire. Je leur ai dit, quand vous allez, parce que j'en ai fait quelques-uns, et j'ai vu que c'est ça qui le remet en place. Même qu'ils sont pratiquants ou pas pratiquants, c'est pas mon problème. Moi, je dis que nous, notre rôle, c'est élever les gens de la terre, de la pensée, je suis rien du tout, je suis nul, je suis... Et qui pense comme ça? Les indigos. C'est eux, pourquoi? Parce que leur lumière, elle doit descendre jusqu'au fin fond de l'humanité. Et eux, quand ils se réveillent, ils ont la force de prendre avec eux beaucoup de bétail et les transformer en êtres humains. Il y a un parashat Nitzavim. Tu as ici, Dvarim? Regardez quelque chose de magnifique. Matem Nitzavim Ayom Kulchem. Akadosh Baruch Hu, merci. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, non? ואתם ניצבים היום כולכם, האזינו השמיים, ניצבים, הנה. Il leur dit, אתם ניצבים היום כולכם. Aujourd'hui, vous êtes tous, vous savez c'est quoi ניצב? Droit. Bétail, c'est à quatre pattes, un être humain, c'est à deux. La conscience d'un esclave, c'est quatre pattes. C'est pour ça qu'il se ramasse des coups et il est content. La conscience d'un homme libre, c'est sur deux. Il lui dit, Kulchem. Tous. Vous êtes tous. L'ifnei Hashem Elokechem. Qui? Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël, Taprem, Nashechem, Vegercha, Michotzevet Zecha, Vaat Shoev, Meimecha. 10 attributs d'être. Même celui qui le boucheron et celui qui prend l'eau du puits, c'est celui qui prend l'eau du puits, même eux, chez Moshe Rabbeinu, c'était des êtres. Nitzavim, c'est aussi proche. Nitzav alav. Nachon. Mais kulchem. Et c'est quoi le Nitzavim, celui-là, vous savez? C'est le Nitzavim de Avraham Avinu, quand il a vu les anges. Nitzavim alav. Abraham a vu, nous l'a dit, que le peuple d'Israël doit être droit. Mais ce n'est pas seulement le peuple d'Israël. Regardez ce qui se passe dans le monde. La conscience, les gens intelligents. Einstein, s'il serait dans notre génération, je crois qu'on n'aurait même pas parlé avec lui. Aujourd'hui, au Japon, il y a des enfants de 6 ans qui connaissent tout ce qu'Einstein a fait. À 6 ans. Il y a plein de gens intelligents. C'est quoi dessous de cette intelligence? C'est la lumière céleste qui a un reflet terrestre. Donc on est très très près de la délivrance. Mais comment on va se délivrer? Si on va tous faire un effort, et ceux qui veulent m'aider, Bémet, j'ai besoin d'aide. On va tous faire un effort de quoi? De prendre ceux qui sont en bas, leur donner un savoir. Ils sont des génies, vous savez, parce que survivre la rue, il faut être très intelligent. La rue, c'est beaucoup plus difficile que l'école et l'université, c'est beaucoup plus difficile. Alors ceux qui survivent, moi j'ai dit, j'ai réussi à emballer quelques personnes avec moi parce que c'est pas possible tout seul. Ils m'ont dit, mais c'est des voyous, qu'est-ce qu'ils savent? 2 ans, j'ai enseigné une classe à Jérusalem. Et le patron, il me suit 2 ans. Il me dit, ben dis donc, il change, hein? Je lui ai dit, n'oublie pas, c'est les voyous. Tu te rappelles, il y a 2 ans, tu m'as dit, qu'est-ce que c'est cette classe? Je t'ai dit, laisse-moi, je paye, laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, ensemble. Il m'a dit, t'as raison. Il faut, eux, les relever. Et quand, eux, le tsan et bakar, ce que nous, on traite comme des animaux, que Dieu nous en préserve. C'est honteux. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu, est-ce que tu as le premier degré, tu es master, tout le monde est docteur.
On peut faire aujourd'hui doctorat. J'ai une élève, 26 ans, elle est docteur. Tu t'acharnes dans les études, tu deviens docteur, ça va vite. Avant, vous savez, il y a 20 ans, qui était docteur? 1, 2, 5, 10. Aujourd'hui, il y a des millions de docteurs, ça ne fait plus rien. Alors moi, j'ai choisi, je reste rap. C'est plus difficile d'être un rap que d'être un docteur. Hein? Mais on doit comprendre que la délivrance sera bada'at. La conscience étudiée. C'est difficile, acharnez-vous. Parce qu'on peut aujourd'hui étudier toute matière. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu, dans le désert, vous savez? Il les a enseignés, c'est tout. C'est pour ça qu'à la fin du désert, il leur a dit, « Kulchem, vous tous !» Alors il y a des gens maintenant à la maison, vous savez, j'ai ceux qui me font la critique un peu. « Rav, c'est pas écrit là, c'est pas écrit là. » Je leur dis, « C'est cosmétique ça. » Mais ils disent, « Mais tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sont morts dans le désert. » Non. Seulement de 20 ans, 60 ans. Mais ceux qui sont nés moins de 20 ans, ils ont vu tout ça. Donc ils sont arrivés en terre d'Israël, quelle heure? Quel âge? 60 ans. Est-ce qu'ils sont arrivés esclaves? Le dos battu? La tête dans la terre? Non, il les a tous relevés. Et même ceux qui faisaient un travail simple, c'était des gens honorables. Vous savez qu'avant, quand il y a eu le commencement de ce pays, il y a 70 ans, sont arrivés des grands, grands sages de tout le monde entier. Mais on a dit, celui-là, c'est un pied noir, allez, il va travailler dans la rue. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'est quoi ça? C'est prendre des gens droits et les remettre la bétail. Vous savez qu'il y avait des gens à Tel Aviv qui nettoyaient et balayaient les rues. C'était des sages de Torah, mais incroyable. Chouk Carmel, c'est un marché de... Il y avait là-bas un clan de tzadikim istarim. Des vrais kadosh, 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 kadosh. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient se cacher. Dans quoi ils se sont cachés? Dans la bétail. Dans le troupeau. Mais maintenant, 70 ans après, ça y est, c'est fini. L'exil de 70 ans de troupeau m'explique. Mais pourquoi ils devaient se cacher? Parce qu'on les a battés. Parce qu'ils n'étaient pas de notre famille, de notre région, de notre pays, de notre couleur. Du racisme. C'est, vous savez, la différence. On va faire comme Moshe Rabbeinu. Il est rentré dans l'académie de Pharaon. Ils lui ont dit, comment tu es rentré toi ici? Tu viens de l'Afrique. Il leur a dit, tout va bien. Et quel était le but de Moshe Rabbeinu? Le but était de donner le savoir au peuple pour les relever de l'état bestial à l'état humain. Et c'est notre rôle, de parler à l'humanité. On ne parle pas juif, goy, on s'en fout ça. Chacun, il est comme Dieu l'a créé et on est content. Sauf le monde doit se redresser. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites avec des voyous. Des voleurs, des... c'est des génies. Pourquoi on ne leur a pas pris leur génie et on l'a mis dans l'académie? Pourquoi? Non, parce que toi, tu es une famille d'animal et ton nom de famille, c'est tel. Et toi, tu viens de telle région, donc tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu n'ouvres pas les portes de l'académie et tu laisses ces têtes-là grandir, devenir des grands avocats, des grands juges, des grands docteurs? Alors, quelle est la solution? On va faire la révolution? Non, pas du tout, du tout. On va faire comme Moshe Rabbeinu. Atem nitzavim kulchem ayom. Aujourd'hui, on va les relever, on va les emmener à l'académie, et je vous promets qu'ils vont être tous des brillants. On va les aider, on va les soutenir, 3 ans, ça va être dur, mais à la fin, on a gagné. Vous comprenez même pas ce qu'on gagne. Société. Vous pensez que quand il y a beaucoup de voyous dans la rue et des filles dans la rue, ça coûte pas de l'argent? Ça coûte énormément d'argent. La police, les ambulances, les coups, aller dans une rue et avoir peur. Pourquoi on doit vivre comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi on a peur? Parce qu'ils sont ignorants. À la place de ça, donne-leur l'étude et tu vas voir que tu auras moins de problèmes. Ça va coûter moins d'argent. Ils vont faire, eux, rentrer de l'argent honorable.
Et ça sera la délivrance. Petite délivrance de ces frères. Baruch Adonai Elohim. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.